Allez, c'est reparti. Hein. Normalement, il reste 4 missions à faire. On en fait deux là. Allez. J'ai quoi comme arme? Par la vite, ah bah, de toute façon, faut que je prenne une arme. Ça va les copains? Par contre, c'est quoi ces fringues de merde là? Ouh. Salut, Tommy. Le boss dit que t'as quelque chose pour moi? Ouais, j'ai reçu un stock d'un type de Forstan mort. Salieri veut que tout marche comme un coucou suisse. Donc pas de vague avant que sa tête explose. J'ai demandé à Little Tony d'en planquer une comme ça, là où tu sais. Donc, dans la tour de l'ancienne prison. Ouais, la famille a une sacrée histoire avec cet endroit. Maintenant que c'est plus à la mode, il y a des racailles qui y crachent. Alors fais gaffe à toi. Little Tony a enfermé le fusil dans une pièce avec une vue imprenable. Tu verras, c'est tout en haut. Ok. J'en ai marre de lire les conneries de ce politicien dans le journal. Cette ville est à nous maintenant. Alors pile entre les deux yeux. Trouve un moyen Alors. d'entrer et rejoins le Mirador. Le dernier étage est fermé, mais la clé Ouais, permet je d'y pense que aller. j'ai pas le droit de prendre d'armes. Va se prendre quoi comme voiture? On va se prendre une petite voiture discrète quoi. Où ça? Ça c'est discret ça. Behringer's department store has been serving the people of Lost Heaven for more than 65 years. We care for this city and for each and every customer that comes through our door. Hop, les flics pas, c'est bon, on est reparti. Our city has fallen prey to criminal elements. Only one man has shown that he has the strength and the moral fortitude required to once again allow the people to walk the streets without fear, with hope in their hearts. That man is Hank Turnbull. Mr. Turnbull stepped away from political life after 20 years as congressman of the 27th district. The appalling situation in state Toi, tu vois rien. Into the breach once more, and we could have no finer champion in the governor's mansion than Hank Turnbull. He'll bring all his experience to bear on the criminals that have made our streets their playground. Proven in the battlefield that is the 27th congressional district, Mr. Turnbull will be tough on crime and tough on the systemic corruption that plagues our state. We are lucky in the extreme to have such a warrior against grifts. Stepping back on the field in our time of need. He received the full backing and endorsement of the Behringer family and Behringer's department store. Non? Je suis con? Ah bah oui, c'est clairement oui. Non, attends, je viens pas tout de suite. Y a de la place pour dormir à l'intérieur? Ouais, y a plein de place. Si t'as pas peur du froid et des tarés qui crèchent là. C'est pas qu'il y a des voyous, c'est y a des clochards, quoi. Sur tout ça. Tu sais comment entrer? Tu bosses pour la mairie? Tu sais, tu pourras pas expulser tout le monde. Y en a trop. Je dois être bien, là. Bon, allez, on se casse. Pour que je t'indique le chemin du Mirador, tu dois suivre ce symbole. Passer par les égouts, c'est le truc vert. Après, tu remontes.
Oh, ta gueule. S'en bat les couilles, mon flingue. Tu peux rester dans ta merde. On a peut-être dû se prendre un petit... Ouais, voilà. Là. Je vais quand même fouiller un petit peu, ça se trouve, il y a quelque chose de chiant. Chaque fois j'ai du mal avec les combats, je sais pas pourquoi je suis j'ai du mal à ce point. Moi qui me casse partout sauf que c'est qu'il faut que j'aille. Alors. Là il y a une. C'est de là que je viens, non? Attends, j'ai tourné. J'ai fait un. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je suis arrivé là. Oh putain, je me suis paumé, ça y est. Ouais, si, c'était ça en plus, j'étais au bon endroit. C'est juste que j'ai cru que j'étais retombé au début. Il n'y avait rien dans les égouts. Allez, Tommy. Que toi du con. C'est chez nous ici. C'est si difficile que ça à comprendre. On s'en bat les couilles. Habite ici, fais ce que tu veux. C'est toi le flic. T'es enfermé mon pote, on passe pas. Putain. Y'a quelqu'un qui force l'entrée. Alors. C'est rassurant ton truc. Allez, je te laisse dégueuler, mon copain. Putain, c'est pas là. C'est là. En France, qu'est-ce qu'elle a fait en France? Faut passer par les cellules du quartier principal. La porte est souvent fermée pour pas que les fédéraux entrent. Merci. Fais bien attention. Ici, les gens n'hésitent pas à se protéger. Tranquille. Ça va pas sur mon gun. Hein? Vous auriez vu mon fils. Où es-tu, David? On peut continuer à fouiller là-dedans? Continuer à fouiller là-dedans. Là. Oh. Ça va, mon copain? Ça a pas l'air d'aller. Hein. Ça a pas l'air d'aller, le frère. Oh, il y en a encore qui ont cassé la gueule. Avis d'expulsion, putain, ils veulent carrément les expulser. Ok. Pour ça qu'ils pensent que je suis de la mairie. Attends, j'arrive toi là-haut, je vais t'éclater après. Restez dehors.
Tu vois, le matelas, il a l'air propre en vrai, hein, ça passe. Ah, t'aurais dû fermer un peu ta gueule, toi. Allez, bim, bim. Alors, on disait. Qu'est-ce que tu me disais déjà? Ah oui. T'inquiète pas, ton copain, il dort. On va remonter. Donc là, c'est là. Ça m'ouvre toutes les... toutes les cellules. Oh. Il y a trois lits. Hein. Ça va, Ghislaine? Encore des ennuis. Non, tranquille. Reste dans ton merdier là. Pouh, attends, je pouvais monter mais je pouvais passer par là. Ouais, donc je vais monter, c'était par la fenêtre qu'il fallait passer. Ouais, on va me faire chier, toi. T'as raison de venir te battre avec moi, c'est bien. Ah ouais. Ah, faut que j'ouvre ici. Et le panneau est là, voilà. Quinze sur vingt. Y'a rien d'autre. Tu me dis que je peux monter là, tiens. Non, tranquille, tu peux rester là. Comme j'ai dit à tes potes, moi je suis pas de la mairie. Hein. 16, oh putain, ça avance bien ça. Je finirai peut-être une collection sur 15. Fait un peu peur, non? Bon, on s'en fout du coup. Démerdez-vous. Et tout au bout, il y a quelque chose. Là, il y a un truc. On l'a vu, hein. Juste là. Ah, mais ça m'ouvre le... Ah non. Ah mais je peux pas y aller. Faut que je descende peut-être là. Ah, y'a Arnor ici. Là, un renard. Ça de toute façon je les ferai pas tous en vrai, y'en a 50.
Alors là on est bien. Ouh. Donc, tuer l'homme politique, je vais bien tuer un mec. Ça, y a pas de problème, c'est pas trop. Ah. C'est lui le frère. Attention, coup de feu au discours de Turnbull. Bréa, bréa. Ça fait partie du truc là, je suis pas mort comme une merde parce que j'ai refait demi-tour. Oh merde. Tu es resté longtemps dans les vapes. Bon bah ça va être chaud hein. C'est pas ici. C'est bon, il y a un mec là. C'est quoi? Ouais, mais... On va garder le gun, hein. On va pas se prendre la tête comme ça, hein. Je peux peut-être passer d'une cellule, ouais, c'est ça. Clac, 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 clac. Putain, chaise électrique. Ces trucs là. Non. Le commissaire a dit qu'il avait été déclaré mort sur place. Le but c'est que je me fasse pas repérer, c'est ça? Planqué? Bon, lui, si j'y vais, il va pas être déçu du voyage. Oh le bâtard! Une balle! Wout! En plus, tout ça, j'ai tracé pourquoi? Pour récupérer le putain de livre. Quel con. Allez. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas que j'ai. C'est parce que j'ai plus de vie en fait. Je l'avais pas vu celle-là. J'ai pas vu qu'en tombant mon perso avait pris très très cher. Pas vu? Tu fais quoi, toi? Mais après moi, le copain, là.
Allez hop, nique ta mère. Mais non, mais il apparaît pas sur la map. Ils apparaissent tous et d'un coup ils disparaissent, sérieux. Soit il y a moyen de passer sans qu'il me voit. Allez. Un peu chiant ça. De toute façon, derrière moi, y'a rien. Pas long. T'es chiant, ben voilà. Il fait quoi? Il surveille quoi, le frère là? Il regarde en face du mur. Du soin. Qu'est-ce que tu fais? Mais non! Oh connard, ça c'est discret ça en vrai, hein? De quoi? Mais putain, vous êtes trop con, y'a personne! Et putain de clochard. Ça nous empêchera pas de revenir, bande de salauds. Ouais mais tranquille, restez là, me cassez pas la tête. Ah y'a un flic là-bas. Je sens que je vais y aller, il va se retourner, non? Mais bordel, c'est quoi ces murs de merde? Mais putain, c'est quoi ces sols à la con? Tu peux pas t'en sortir comme ça. Puis tout à l'heure je passe là, tout fonctionne et puis là il y a tout qui s'écroule. J'espère que je recommence pas tout depuis le début. Au moins. Ah attends, je suis pas passé là tout à l'heure. Ah. En fait, le jeu me baise. Au fur et à mesure, il me baise quoi. La porte elle est là-bas, en face. C'est où la sortie? Où la porte? Elle est là. La puerta. Ça.
M'as vu? Eh ben nique ta mère, si tu m'as vu, tu m'as vu. Hop. C'est bien passé, non? Mais putain, le mec, ça snipe. Le mec, c'est un sniper. Doudou, what the fuck? C'est forcément là, non? Mais non. T'as un gun? Un gros gun? Fusil à verrou, j'en ferai pas grand chose. Hein. Je pense pas que c'est l'arme qu'il me faille. Échappez-vous de la prison. C'est par ce chemin-là ou un autre chemin? Oh, il y a du flic partout là. Sbam! Bam! Un coup dans les couilles, bam! Voilà, toi c'est peut-être le gun là que je voulais. Voilà, là on va gagner notre temps pour s'échapper. Donc c'est par là la sortie? Faut que je repasse par les égouts? Du son. J'ai bien fait de rien toucher tout à l'heure. Toi, tu peux venir là, tu vas pas être déçu du voyage, copain. Ouais, ton pote, il vient ou pas? Faut que je lui dise bonjour aussi. Voilà. Se passe bien. Je l'ai séché? Non? Il veut remettre ça? Ouais, il est bon, hein. Il y a du soin dans le coin. Derrière la porte là? Comment j'y vais? Là? Là il y a du flic dehors.
Go, go, go. De toute façon, c'est forcément là. Toi, tu vas te faire foutre. Et toi aussi. Allez, accélère, accélère. Je vais crever dans la bagnole. Ah putain. J'ai cru qu'il était derrière la voiture. Le point B était derrière la voiture. C'est pour ça que je me suis avancé comme ça. Vraiment fait le con. Oui, mais non. Ah, j'aime pas, vous me bêtez là quand c'était pas prévu comme ça. Et toi, trois tours dans ton slip que tu fais. Oh la vache. Bah ouais, j'étais trop bien là tout à l'heure. Peut-être la voiture jaune que je peux prendre sans... Je sais pas. Et tout à l'heure il n'y avait pas ce monde comme ça, si? Il n'y avait pas ce monde comme ça tout à l'heure! What the fuck? Comment je m'échappe? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps là pour qu'il y ait du monde à ce point là devant la prison? Est-ce que je peux éliminer tout le monde? J'ai pas 50 millions de balles, c'est ça le problème. Je crois que le jeu me l'a mis à l'envers là, j'étais en train de tout passer en mode facile tout à l'heure. Attends, tente un truc. Ah putain non, tu peux pas. Je pensais pas qu'il allait monter dedans, je pensais juste qu'il allait crocheter. Attends, parce que là, pop, ça va être chaud quand même. Bon, j'attends, puis je les flingue comme ça, quoi. Ouais. Là, il y a beaucoup de monde. Un petit peu trop à mon goût. Est-ce que je peux leur échapper rien qu'en faisant ça en fait? Oh non, si ça marche comme ça c'est horrible. On est sur quelque chose d'horrible les copains. À toutes les voitures, annulez les recherches et reprenez les patrouilles. Ça marche comme ça là? Et là ils me voient, oh c'est sérieux. Donc on va juste pas voler une voiture dans la rue, hein.
Ouais, bah je l'emprunte. Oh les bâtards, je vais pas crever là-dessus quand même. Mais j'ai pas d'armes. Oh les bâtards, sérieux. En tout cas, on peut arnaquer l'évasion, c'est dégueulasse. Ça, c'est un peu dommage. Alors, si je suis malin, je refais la même. Hein. Pas se prendre la tête non plus, mais bon. En effet, je vois pas de véhicule dans la rue, encore moins de moto de police devant les flics, quoi. Ah non, c'est bon! Oh putain, ouais, d'accord. Ouais. C'est quoi cette voiture? J'ai déjà conduit ça? Oh ta gueule! Qu'est-ce que tu fais sur mon chemin, toi? C'est ma maison, ça? J'ai une belle bagnole. Tranquille. Bon, la mission était pas compliquée. Hein. Si c'est juste ça, franchement. T'es au courant pour Turnbull? Un peu. Il paraît qu'il trempait dans des trucs pas nets. Dans le journal, ils disent qu'il restera comme l'homme qui s'est battu pour le 19e amendement. Salut, Bubble Tea. Il a risqué toute sa carrière pour ça. Merci pour le follow. Le 19e. Le droit de vote des femmes, idiot. Il m'a donné le droit de voter, Tom. Ah, merci. Mais j'étais monté à 80, mais il y en a des abonnés, quoi. Ils sont pas sympas. Ça va bien. Et toi? Il semblerait qu'on connaisse jamais vraiment les gens. Il semblerait. Faut que j'aille travailler. Tom, je t'en prie, fais rien que tu pourrais regretter, tu m'entends? Je crois que c'est trop tard pour ça. Ah, t'arrives sur la fin du jeu, là, il doit rester 3 missions, je crois. Si je me fie au trophée, c'est 3 missions. Début. J'ai un très bon plan, toute une cargaison de tabac camerounais qui vient d'être saisie par les douanes. Et vous, vous allez la récupérer. Vous voulez qu'on aille voler des cigares? Quoi, ça pose problème? Les clients de nos clubs paieront une vraie petite fortune pour de bons cigares. Ouais, mais ça fait... je sais pas... petit bras, non? J'ai toujours su que t'avais le nez creux. Tu laisses jamais rien passer.
J'écoute ce qu'il dit, puis je te... Ces petits bras, t'as foutrement raison. C'est censé avoir l'air petit bras. Les cigares, c'est juste une couverture pour une livraison de diamants. Et ces diamants sont planqués dans certaines boîtes. Mais les fédéraux ont encore rien trouvé. On va aller voler des diamants aux fédéraux? T'en fais pas pour ça. J'ai déjà discuté de tous les détails avec Sam. Il va t'expliquer. Bon, j'ai un rendez-vous avec le maire dans son club préféré. J'irai ça tous les deux, mais je veux que les cigares soient ici avant que quelqu'un puisse comprendre la combine. Pigé. Pigé, boss. Pigé, boss. Et vous arrosez pas le gosier avec Magnol quand je suis pas là. T'étais au courant? Le boss et moi, on a réglé ça hier soir. On a un plan. J'ai pas dit que c'était un bon plan, mais on se fera pas buter. Normalement. C'est quoi le truc? On a un gars à l'intérieur qui nous aide? Non. On va faire ça seul comme des grands. Et ce sera pas simple. Oula. Les cigares sont dans des caisses. Au port. Merde. Ça va grouiller d'agents dans ce coin-là. Ouais. Ça sert à rien de foncer dans le tas. On doit la jouer en finesse. Donc on va voler un camion des douanes. Et entrer incognito. Super. Et donc buter le type qui conduit le camion. Non, on va l'effrayer un peu, on a juste besoin de ses papiers. D'accord. C'est mieux si on peut éviter de se débarrasser d'un corps. Allez, viens. On va voir si on peut se dégoter un camion des douanes au dock. Pas de soucis. Ouais. J'essaie juste de comprendre pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Le boss a besoin qu'on fasse le boulot, alors on le fait. On va quand même prendre de sacrés risques. Même franchement, le jeu est vraiment très bien. Si les fédéraux nous pincent, on risque de prendre perpète. Alors faisons en sorte de pas se faire choper. Pas de soucis, Sam. Ok. Ouais. C'est dommage que tu arrives sur la fin du jeu parce que franchement, je l'ai fait du début à la fin, je l'ai fait sur Twitch quoi. J'ai du matos planqué près du port. Ouais, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, t'as fait San Andreas, moi j'avais commencé à faire le remake de Vice City sur PS5. Samedi dimanche. Oh la vache. T'es en forme le matin, copain? Ouais, moi j'avais commencé Vice City sur PS5, j'ai jamais réussi à le finir. Putain, ça reste vieillot quoi. Malgré le remake, ça reste. Ça a mal vieilli. Tu me rends nerveux à tripoter ce flingue sans arrêt. Désolé. C'est juste que je réfléchis à plein de trucs. Sans déconner. Vas-y doucement, tu vas te faire un claquage. Et ça, foutez-vous de moi, tas de cons. Vous tous et même le Don. Vous me croyez pas capable de réfléchir. Ouais, c'est ça, ouais. Mais vous vous plantez. Je crois que c'est dans les années 70 ou un truc comme ça. Projet. Ah ouais. Le mec avec la chemise verte turquoise là. Je me disais qu'il y avait dans le centre une banque que j'aurais bien braquée. Tu veux braquer une banque? Ouais. Ça fait des mois que j'étudie l'endroit, j'ai bossé, j'ai pensé à tout. C'est ça. Il me faut juste quelques costauds. Des gars de confiance sur qui je peux compter. Braquer une banque, c'est pas vraiment notre créneau. On est déjà en train de braquer ces comptes fédéraux. C'est quoi la différence? C'est Salieri la foutue différence, espèce de crétin. Le Don nous envoie tous les trois voler des cigares. Mais jamais il sera d'accord pour braquer une banque. Eh ben on lui dit pas. Attends, tu voudrais le faire dans son dos? C'est à cause de lui qu'on va être dans la merde là. Non. Une fois que ce sera fait, on pourra lui donner sa part. Il l'aura mauvaise, c'est sûr. Mais quand il aura touché sa part, il se calmera. Je sais pas, Polly. Ouais, bah moi je sais. Tu fais ce que tu veux. Moi je dirai rien. Parce que je te dois bien ça. Mais Salieri, s'il apprend que tu fais ça dans son dos, il va te faire la peau et tu finiras comme Morello.
Mon avis, c'est que ce genre de plan, ça vaut pas le coup. Ouais, il a raison. Soit t'en parles au Don, soit tu laisses courir. Ouais. J'étais en train de rêver, rien de plus. Bah réveille-toi alors. On est arrivé. C'est vraiment une idée de merde de police que t'as. Je prends la voiture. Trouve un camion des douanes et retrouve-nous près de la fourrière. Moi et Polly, on va chercher le reste du matos. Compris. T'es sûr que ça va aller? Ouais. Je suis sobre comme un prêtre. C'est bien ça qui me fait peur. Lâche-moi la grappe, tu veux. Oh putain, oh la vache, ça la va, vache. Je te dis. Je vais faire comme si j'avais pas lu ta blague. Fouiller. Oh putain, faut que je fasse sans bagnole. Oh, ça va être chiant. De toute façon, si je cherche un camion. Il est déjà pas là, hein. C'est sec. Ah, il y a un livre. Il est où le livre de merde, il est là. C'est pareil, il y a des collectibles comme dans... Comme dans les GTA. Putain, j'en ai que deux, des comme ça. Oh, ok. 2 sur 20, bah, en effet, c'est un truc que je ferai jamais, hein. ce qui paraît, il porte une pierre sur son dos, le frère. Le Dwayne Johnson. Tiens, il y en a d'autres comme lui. Tiens, ça c'est une bonne marche arrière ça. Hop. Ah bah. Ouais, j'aurais pu le péter de manière propre. Bon bah, le camion il va arriver, il sera déjà broyé. Broyé quoi. Je casse ça, mais Polly, mais genre, je suis parti aussi loin avec moi. Chelou ce qu'ils m'ont fait là. Ouais, ouais, franchement, c'est le même style. Ouais. Le seul truc, c'est que c'est dans les années. Ah, c'est années 30 là. Il faut que je fasse gaffe parce que les flics, c'est pas comme GTA. Si je dépasse la limite de vitesse, ils me courent. Si j'écris une priorité, ils me courent. Si je tape dans une voiture, ils me courent. C'est. Faut que je fasse archi attention. Ouais, bah c'est ça, c'est dans le même délire. Hein. Il fait chier le flic, qu'est-ce qu'il fait? Il est où mon uniforme? Ah, ouais, c'est tout ce qu'on a, mon pote. Et puis, il n'y a que 2 places à l'avant. Tu peux te mettre derrière. Après, je sais pas si ça t'intéresse de voir le début du jeu, mais je vais bientôt les poster sur YouTube, les replays de Twitch. Ça arrivera sur mon YouTube et puis sur mon Discord. Donc si ça t'intéresse... Alors ça, c'est pas le bon YouTube, ça c'est le YouTube que j'ai avec un pote, faudrait que je te file le... Que je te file le bon lien. Attends. T'es bien installé derrière, Tom ? À ton avis, là, putain ! C'est quoi le plan quand on arrive à la fourrière ? Avec mon pote, ouais, ça va, Fortnite, ouais. Des caisses qui viennent du Cameroun, là où il y a des cigares. Est-ce que t'as une idée de la taille de la fourrière ? Relax.
Il y aura personne en pleine nuit. On sera seul aux commandes. Ah, oui, merde, oui. Vite. T'as les papiers? Fais chier. Ça quoi? Tenez, les voilà. C'est bon. Allez-y. Grosse activité cette nuit. Pas sûr qu'il y ait de la place. Bah sur YouTube, moi c'est Nacrop Gaming, tout attaché comme mon pseudo. Je vais voir si y a pas moyen, je te rebalance le lien, mais c'est plus le bordel. Faut juste qu'on garde la tête froide. Gardez la tête froide, je sais pas faire. Et tu le sais bien. Faudrait que je le rajoute. Normalement, ça doit être ça mon YouTube perso. Putain, on doit passer au paye fin toutes ces caisses avant le lever du soleil. Désolé, on trouvait plus les papiers. Mais c'est bon maintenant. Dis-nous ce qu'on doit faire. On est nouveau. On est tous nouveaux, mon vieux. Mais certains d'entre nous savent encore respecter les horaires. Venez avec moi. Écoute, si ça t'intéresse, on est à Discord aussi. Du coup, on poste tous nos liens dessus, que ce soit le YouTube, les Twitch, les annonces quand on fait des lives. D'accord. Ils ont une trace de tout ce qui entre. Alors fous les archives. On cherche des cigares du Cameroun qui sont arrivés par bateau sur le Bohémien. Ah, le jeu, encore quelques. Pourtant, il date, hein, je crois. Hein. Enfin, un petit moment qu'il est sorti. Rejoins-nous quand t'as terminé. J'ai rien écouté de ce qu'il fallait que je fasse. Ouais, tac. Non, c'est un full remake ça. Ils l'ont refait de A à Z, hein. Il était pas comme ça. Les 3-8, on dirait. Oh putain. Oh putain, il y en a même là. Les coups de feu donnent l'alerte. Faut tout ce que je les tabasse à la manos. Si se casse, l'autre, je l'assomme. Genre j'éclate son mec à 2 mètres de lui, il a rien vu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, le bâtard. Allez, couche-toi. Oh l'enflure. On va passer là. Je me suis pris une patate, celle-là j'aurais pu l'éviter par contre. Qu'est-ce que ça cause? Ouais, d'accord. C'est un peu ce qu'il nous disait, quoi. Ça sera utile. Ah, c'était pas une patate douce, non? Il y a un mec en bas. Ah, il y a deux mecs en bas. Oh là là. Oh bordel de merde, y'a du monde partout, comment je fais? Allez les gars, on accélère un peu. Une fois qu'on aura fini avec les petites caisses, on s'occupera des grosses à côté. C'est vrai que ça paye, mais qui sont cons ces fédéraux? On a dû fouiller une centaine de caisses déjà. Non, je peux pas, non, y'a pas ce... De toute façon, c'est forcé que je vais me faire choper. Je suis pas assez malin pour faire ce genre d'infiltration. Pourquoi je... Ah, c'est au-dessus? Oh non. Oh, dégue. Faut que j'arrive à en rétamer un. Bien. Ouais, bon bah voilà, hein, l'infiltration c'est fini. Hein. Oh merde. Il faut que je fouille le camion qui est dehors là. Tout ça pour trouver des diamants.
Allez, on recommence. Donc là, je descends pas, faut que je fasse au-dessus. Allez les gars, on accélère un peu. Une fois qu'on aura fini avec les petites caisses, on s'occupera des grosses à côté. C'est vrai que ça plaît. Mais qui sont cons ces fédéraux? On a dû fouiller une centaine. Ah bah ouais, tu m'étonnes qu'il m'a allumé. Elle dort. C'est pas ça? Par contre, je suis pas contre le pompe. Le pompe est archi fort dans le jeu. Ouais. Ouais, j'avais vu qu'il y avait un mec au-dessus, mais je pensais pas qu'il était resté à la fenêtre. 17 sur 20. Allez, on est bien là. Range ton gun. Genre, c'est ça qu'il faut que je fouille? Non? Je comprends pas. Trouver des infos. Ah, ok. C'est ça qu'il veut. Sur la map, on voit, il y a un petit point rouge, encore un collectible à récupérer, je sais plus c'est quoi ça. Aucun intérêt tout ça. Je sais pas, j'ai pas compris c'était quel pied. Il y a 50 000 trucs à regarder. Ah, salut. Hop les. Qu'est-ce qu'il fout là, le frère? Putain, c'est à l'extérieur. Ouais, putain, celle-là, j'étais pas prêt, quoi. Hein. Bon, là, vache, et puis les patates qu'ils mettent, les persos, là, c'est des fourrins, quoi. Eh, au bout d'un moment. Ah, il veut se battre aussi, lui. Tu vas en découdre. Ah, il était un peu énervé le copain. Qu'est-ce qu'il me voulait lui? Attends, en face qu'ils me disent. Ah, il y a un mec en face. Ah, oh, putain, puis ça c'est un fédéral. Je vais jeter un coup d'œil au fichier. Un fédéral. Pour voir plus clair. Voilà. Ouh. Qu'est-ce que je peux faire? Tout à l'heure, il y avait un truc en face, j'y suis pas allé, faut que je monte là. Ah merde, c'est immense ici. Bon, les gars, bon, après, c'est pas plus buggé que d'autres jeux. Hein. Bah, réjouis-toi, ça t'en fait plein, rien pour toi. Dis-moi que c'est ça. Ouais, ça m'aide pas. Ça me sera utile. J'aurais voulu aller là. Il m'a vu ou quoi? Allez, retourne-toi, fais pas chier. Ah! J'avais quand même mis sa tête à lui. Ah non, Kikette. Attends, Kikette, c'est le sang. Il fait bien son travail, Kikette. Ici c'est blindé par contre. Ah, en bas. Si je saute, ça craint. Oui, mais ça. Voilà. Ça me sera utile. Si je saute ici. Pas forcément mieux si je vais en face. Ah, ça va être chaud, ils sont beaucoup beaucoup. Hein. Allez. Attends, j'ai une espèce de. C'est une carte du. Des entrepôts, quoi.
j'arrive à les sécher, ça veut dire que je suis plus emmerdé après par contre. Attends, pourquoi c'est rouge? Il m'a vu? Non. Bon, ça c'est fait. Je suis un peu plus serein quand il n'y a plus personne. Casse-toi! Putain, je crois que c'est la première mission de vraie infiltration que je fais dans le jeu. Pff, franchement, Fortnite avec mon pote, on est éclaté quand même. Au moins en s'amusant. T'es bon à Fortnite, toi? Allez, je vais bientôt trouver. Je pourrais. Hein. Je me dis que j'ai déjà éclaté tout le monde, donc personne va venir chercher les corps, non? En même temps, s'il faut claquer toutes les boîtes de... Qu'est-ce que tu veux que je trouve quelque chose? Trouver? Ah bah trouver, putain, j'ai de la chatte. Et puis comme par hasard, c'est la boîte qui est à l'entrée du truc, quoi. N'importe quoi. T'es sûr que c'est bien ce qu'on est venu chercher? C'est nickel, les gars. Bien. On charge la cargaison et on se tire d'ici. C'était la dernière. On s'arrache. Pas question que je retourne derrière. De toute façon, c'est toi qui conduis le mieux. Mais fais gaffe, on va nous envoyer dans la flotte. T'entends. Merde. T'as entendu? Ah, ils ont peut-être trouvé les corps du coup. Allez, allez, roule! Merde, Tom! C'est pas le grand luxe à l'arrière, hein? Passe par le portail. Ah, merci, appelle-moi Goliou aussi. Passe par le portail. J'avais cru quoi que j'allais passer à travers le mur avec le camion? Tous les flics de la ville vont nous rechercher. Alors on a qu'à disparaître. Roule à fond, Tom. Le camion est déjà brillé. La rue est barrée par là. Trouve un autre chemin. Tranquille. Ah bah toi Ghislaine, casse-toi de là. Oh là là. Encore un barrage. Faut qu'on fasse un détour, Tommy. Des renforts. C'est passé, hein. Il m'a pas vu. Il m'a vu. Encore un barrage. Ouais. On passe un détour, Tommy. Ça fait beaucoup de détours, Tommy. À éviter les barrages routiers, je passe où? Au bout d'un moment, moi que. Là, puis là, c'est pas GTA, je peux pas passer dans la terre. Hein. Il va me voir? Voilà. Cette feinte. Ouais, du con, tu te mets devant mon camion au bout d'un moment, faut assumer. Éviter, mais ouais, mais je peux pas éviter. Attends, je vais regarder la map.
Je peux pas passer par là. Je peux peut-être passer par... comme ça. Genre là, je tourne à droite. Attends, c'était tout droit? Je sais déjà plus ce que j'ai dit. Je crois que c'est là que je tourne. Ouais. Ah oui, mais non, il y a un barrage. Bah, je vais où? Oh putain, fallait que je tourne là. Tac, tac, tac. Un grand coup de frein à main. Et on va passer par... Ah bah, je voulais pas se... Bon bah, pourquoi pas, après tout... Hein. Je passe ici alors. Clac, clac, clac. On va passer tout droit. On est plutôt pas mal là, non? On va tourner ici. Tranquille, c'est de la petite route. Par contre, te mets pas devant moi, toi, parce que je te roule dessus, copain. Là, il me dit qu'il y a quelqu'un, donc on va tracer tout droit. Puis c'est bon. On sort du cercle rouge. Je pense que c'est bon. Ah putain, on est pas bon. Par contre, j'ai le flic juste avant. C'est un vrai labyrinthe. C'est un miracle si j'ai trouvé des caisses. La prochaine fois qu'on fait ça, il nous faut un meilleur plan. Et plus d'infos. Un meilleur plan? On a les diamants, oui ou non? Ouais, mais la prochaine fois? Quoi, la prochaine fois? On passera par toi parce que les boulots comme ça, c'est ta spécialité, hein? Les gars, j'essaye de conduire. Je propose qu'on retourne à l'entrepôt, mais sans les flics au cul. D'accord? D'accord. On a récupéré les diamants, le boss sera content. C'est tout ce qui compte pour le moment. Ils ont intérêt à être plus gros que nous, ces diamants. Vu le nombre de caisses qu'on a dû se farcir cette nuit. Oh, ça va, j'en ai pour vers 50 des caisses. Bouge-toi. Ah, le jeu est grave bien, il est pas mal foutu pour un remake, remake remaster, je sais pas c'est quoi la différence, mais en tout cas ils l'ont refait pour un jeu qui a été qui date de PS2. PS2 je crois. Pour un jeu qui date de PS2, franchement, graphisme c'est nickel, rien à dire, gameplay ça passe. Il y a deux trois petits bugs, mais bon c'est pas chiant pour faire le jeu. Bah, dis-toi que la PS2 je l'ai jamais eu. J'ai eu la PS1, PS2, j'ai pas eu PS3, PS4, PS5. J'ai jamais eu la PS2. Ah bah là. Tu conduis comme ça ton taxi? Après, en vrai, la 4, ouais, si, elle a apporté des trucs, j'allais dire. Toutes les générations ont apporté quelque chose, mais c'est vrai que si t'as raté la 4, t'as pas raté spécialement de gros jeux, quoi. Après, tu joues peut-être aussi sur PC, toi. Je sais pas quel âge tu as. Tu joues peut-être un peu sur PC. Ok. Série, c'est Xbox, ça? Ouais, Xbox, j'ai essayé, franchement, c'est... Les menus, c'était dégueulasse. Elle doit être dans un carton, quoi. Je l'ai jamais revendu, en plus.
Switch, je joue un petit peu, mais j'ai plus le temps, quoi. Plus le temps comme avant. La Xbox, je dirais Xbox One peut-être. Je sais pas c'est laquelle. Je ne sais plus, ça date quoi. Non, la One c'est la dernière. Peut-être, j'en sais rien. Ça se présente mal. Le Don va être furieux si on a salopé des cigares. Il s'en bat les couilles des cigares. Oh putain. Nom de Dieu. C'est de la cam. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ah bah putain. Ils sont où les diamants? Il y en a pas. C'est ça le vrai trafic. Non. Ouais, tu sais, elle est dans un carton bien emballé. J'ai la PS5. Te fatigue pas, tu peux ouvrir toutes les boîtes, tu les trouveras pas. J'y crois pas. On a risqué nos miches pour cette merde. On dirait bien. Tu ferais mieux de te calmer, Polly. Le Don arrive. Putain, pour de la drogue. Bon, on dit rien à propos de tout ça, Oudon. S'il voulait qu'on soit au courant, il nous l'aurait dit. Il aurait dû être réglo. Ouais, mais pour le moment, tout le monde fait le mort et on la ferme, ok? Ouais, d'accord. Polly. Ça va, je dirais rien. Mes soucis, les gars? Une des caisses a été touchée, mais sinon ça va. Ok. Bon, non, ça devrait aller. On a peut-être perdu quelques cigares. Mais sinon, la marchandise devrait être intacte, boss. En plus, il paraît que les diamants, c'est un truc incassable. Peut-être pas aussi incassable que ma bite. Ah ouais? Ça arrive comme ça, toi. Bravo. Vous allez avoir droit à un bonus. Vous l'avez pas volé. Vous voulez qu'on décharge les caisses dans l'entrepôt? Non, vous pouvez y aller. Ces types-là vont prendre leur... Ah, je m'attendais pas à celle-là. Qu'est-ce que je viens de dire? D'accord, boss. Ça fait combien de temps que je joue, là? On met les voiles. Sam, ramène-moi au bar, tu veux? Bien sûr, boss. Vous venez, les gars? Non, on va prendre le train. Ouais, merci. Je venais de vérifier. Ok. Plus tard. Putain de merde! On vient de se faire bien carotter! Si on s'était fait coller avec la cam, on irait en tôle pour y crever! Ouais, et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je t'ai dit ce que je voulais faire. Quoi, la banque? J'en ai rien à foutre de ce que dit Sam. Moi, je le fais et c'est tout. Y'a combien d'après toi? Ça t'intéresse? C'est là que ça part en... discute, c'est tout. En coucougnette, quoi. Je savais que je pouvais compter sur toi, mon pote. Bon, on est à deux missions de la fin, là. Je passe 30 minutes par mission. En vrai, ça avance plutôt bien. Quelle banque, alors? La Grande Impériale. Vers le centre, à côté de North Park. Ouais, j'y suis déjà allé. Y'a un bail. Pas beaucoup de sécurité, des issues partout. Les employés opposeront pas de résistance. Je peux pas tout seul. Pourquoi pas? Pas question de trafiquer de l'héros. D'autant qu'on touche que dalle. Et puis... je sais pas. Je veux plus jamais me retrouver dans cette rue. Quelle rue? Dans cette rue, à genoux, à regarder cramer une pauvre femme qui avait rien demandé. T'es au mauvais endroit, au mauvais moment. Pas de bol. On connaît que ça, nous, le pas de bol. Je t'assure, Tom. Ce plan est... Tu devrais marcher encore plus vite, Polly, comme ça, je t'entends bien. Absolument certain du truc. Faut voir. Je m'engage pas sur ce coup tant que je suis pas certain. Si je me fais choper, Sarah me quittera. T'as une petite famille à protéger. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas de souvenir d'avoir cramé une bonne femme. Fais gaffe, mon pote. Tu t'avances en territoire ennemi et t'as pas de boussole. Ouais, je sais pas ce que ça fait de rentrer voir sa femme et ses mômes. Mais c'est pour ça que je le fais. Qui va vouloir de moi? J'ai presque 40 piges et j'ai rien d'autre pour moi à part mon casier judiciaire. Mais si on y arrive, j'aurai assez pour enfin lâcher tout ça. C'est ma chance. T'es pas vraiment taillé pour la vie de famille. Dans 6 mois, tu te tires une balle tellement tu te feras chier. Merde. J'en ai plus rien à foutre, j'ai rien à perdre. On reste encore ici 6 mois.
à jouer aux cartes et à dire des conneries. On commence à se relâcher. Et d'un coup, tout se met à péter et je dois me secouer si je veux pas crever. Un jour, je lutte pour pas m'endormir pendant une des histoires du glorieux passé du Don. Une histoire que j'ai entendue 1 million de fois et le lendemain, je me fais tirer dessus. Et je me fais dessus tellement j'ai les foies. J'en peux plus, putain, Tommy. C'est pour ça que tu veux faire ce coup ? Je sais que c'est un attrape-couillon. Tous les mafieux rêvent de faire un dernier gros coup avant de se ranger. Mais si on le fait... Je sais pas. Je me dis qu'on pourrait récupérer de quoi ouvrir une petite pizzeria, un truc dans le genre. Ouais. Mais si on décide de le faire, on doit attendre que les choses se calment. Bah, je savais que t'étais intéressé. Peut-être. Allez. J'en ai plein le cul pour lire. Bon, je regarde la cinématique là, puis je vais arrêter le live. Les deux dernières missions, je les ferai vendredi soir. Je sais pas si tu voudras passer pour voir ça. Je m'occupe des clients. Tu t'occupes du directeur. Tu me chibraques. Ouais, c'est un Chibrax, le frérot. Vendredi soir, vers 21h, tant que je couche mes enfants, je pense que ça sera plus vers 9h du soir. Peut-être plus, avant qu'il réplique. Et si ça part en couille, Tom, je suis très sérieux là. Si t'entends des coups de feu, ne remonte pas. Tu t'occupes du fric. Après, t'es pas obligé de passer, tu sais, moi ça a pas d'importance que j'ai des vues ouvertes ou pas. Je fais vraiment ça pour m'amuser. Hein. C'est comme le fait que je les repose sur YouTube, personne les regarde, mais c'est pas grave. Alors, on le fait. Ouais, on le fait. Pourquoi ça fume ma bagnole ? C'est super gentil. Attends, ça commence direct la mission ? Non, mais je voulais m'arrêter moi. Oh ! Ah bah attends, je vais être obligé de continuer, bordel. Je vais pas m'arrêter alors que tout a commencé. Bougez pas, que je puisse vous admirer. Le premier qui bouge, je le plombe. Bah je pense que je vais arrêter quand même parce que... Ouais, je vais m'arrêter parce que... Si je garde qu'une mission pour vendredi, ça veut dire que je vais live 30 minutes et ça sera fini, quoi. Aïe. Je sais pas si je peux voir mes collections et tout ça. Ouais. Allez, bonne journée à toi et puis merci d'être passé, puis merci pour le follow. C'est super gentil.